Mario et Pépito. Vous allez voir maintenant tous les deux. Une oui, oui, bien sûr, toutes les excuses. Non, c'est vrai, je te jure. En plus, c'est vrai. Si, c'est vrai. Si, c'est comme ça. Crac. Voilà. Ah bah voilà, ça va mieux. Mario et Pépito, vous allez voir ce que c'est qu'un couple uni. Pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est la clé, et le pire, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, découverte. Ça tombe bien encore. Allez. Bonne chance à vous deux. Allez, c'est parti. Première chose, repérer la clé. Non, non, il faut rien dire, il faut quand même leur donner des indications, Christian. Marion, oui. Bon, vas-y, vas-y, là. Bon. La clé est là-bas. Décidez-vous, Marion était très forte, mais là, pour le coup, elle se trouve dans la cellule. Il doit vraiment communiquer l'un avec l'autre. Voilà, ça nous et qu'il y en aura un. On avance. Non, pas en même temps, pas en même temps. Surtout pas en même temps. Lâche pas, tu mets le pied devant, là-bas. Ok. Ouais, c'est clair, parce que tout à l'heure... Essaye d'attraper l'autre corde, tu l'as ? Attends, ça va être hyper dur, ça, pour moi. Essaye de l'attraper l'autre corde. Tu l'as pas ? Ensemble, tout du long. Allez, go, il faut qu'il y en ait un qui soit en avance sur l'autre. Attends, celui qui est en avance sur l'autre rendra à chaque fois le petit cordage. D'accord ? Donc c'est pas totalement ensemble. Mais effectivement, ils doivent vraiment discuter entre eux. Parce qu'une fois qu'ils seront arrivés au bout de la cellule, ils vont devoir actionner la boule simultanément de façon à libérer la clé. On attrape l'autre ? Ouais, je l'ai. Tu l'as ? Ouais. Allez, on fait pareil. Mais ils doivent la... Non, en fait, si Mario est derrière Pépito, c'est à Pépito de rendre la corde. Ouais, ouais. Pépito, faut faire chacun votre tour avec la corde. Quoi ? Faut faire chacun votre tour avec la corde. Quand Pépito a tiré sur la corde, tu peux y aller, toi, après Marion. Il faut d'abord qu'il la rende, la corde. Il faut d'abord que Pépito rende la corde, toi. On les embrouille pas, parce que j'ai un... comprends pas, lâche pas. C'est bien, continue. Vas-y, prends la corde, Marion. C'est la moitié du temps. Prends la corde. S'il tombe, malheureusement, si l'un d'entre eux doit tomber, les deux doivent recommencer dès le départ. C'est tombé ? C'est parfait, continuez comme ça, là, c'est parfait. Là, je vais où ? Attends, tiens-là, l'autre. Tiens, celle-là. D'accord, moi, je suis passé déjà. Il se repart, donc on va les laisser. Il est ou pas ? Non. Là, vous voyez, Marion doit récupérer le petit cordage. Attends. C'est à Pépito de lui donner. Donc là, elle peut rien faire à part attendre qu'on lui donne la... Oui, s'il y en a un des deux qui tombe, ils sont obligés de recommencer tous les deux. Attends. Vite, je tiens pas. Voilà, il est en train de lui donner, mais il faut qu'il lui donne jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Vite, Marion. Vite, de pousser la corde jusqu'au bout. Ouais, Pépito, pousse la corde jusqu'au bout. Là, lâche. Non. Regardez là. Il faut accélérer un petit peu. Il faut accélérer un peu, Pépito, là, maintenant, il faut faire... Vas-y, remets l'autre. Allez. Il faut qu'elle attrape vraiment, voilà. Il lui donne la corde. Non, d'abord, il faut qu'elle attrape la corde, et après... Tu l'as ? Attends, non. Vite. Ah, Vite. C'est dommage que vous avez trouvé un bon, une bonne technique. C'est dommage. Non, mais je suis pas sportive, là. Non, mais c'est vache. C'est bien, Non, c'est vache. Allez, on continue. On n'a pas de temps à perdre. Allez.